Loconade. Qui vient nous visiter. Trois petits chatons ont perdu leurs gants et ils se sont mis à pleurer. Oh maman chérie, nous avons bien peur de ne pas trouver nos gants. Quoi? Vous avez perdu vos gants, vilains chatons. Les chatons ont trouvé leur gants et ils se sont mis à pleurer. Oh maman chérie, regarde ici, regarde ici. On a trouvé nos gants. Oh, regardez ça. Vous avez trouvé vos gants, petits chatons. Maintenant vous aurez de la taille. Petits chatons enfilèrent leurs gants et ont dévoré la tarte. Oh maman chérie, nous avons bien peur que nous avons sali nos gants. Oh oui, oh oui. Quoi? Vous avez sali vos gants, vilains chatons, et nous avons soupiré. Regardez ce que j'ai trouvé. Une araignée? C'est pas mignon. Bien, vraiment. Non. Ici l'araignée monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Et ici tombe par terre. Mais le soleil a séché la pluie. Et l'araignée ici, Raymond la essuie. Bonjour, monsieur araignée. Voulez-vous manger des bons insectes? Non. Ici l'araignée va sur la balançoire. Charlie s'assoit. Il est en désarroi. Puis l'araignée retombe vite par terre. Mais sur la ronde, sera heureux à nouveau. L'araignée est plein d'énergie. Il en a beaucoup. Je suis fatiguée juste à les regarder. Ici l'araignée monte les carrousels. Viens, voilà la pluie et va à la piscine. Mais le soleil a séché la pluie. Et l'araignée ici remonte là ensuite. Waouh, regardez comment ça monte. Oh, Pitinsy Winsy. Je veux une petite araignée. Il est si mignon. Ici
l'araignée monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie, et Wincy tombe par terre. Mais le soleil a séché la pluie, et l'araignée ici remonte là en suit. Et l'araignée ici remonte là en suit. Hey, toi, araignée, veux-tu être mon amie? Je veux surmonter mes peurs. Hey, qui veut entendre l'histoire du lion et du lapin? Moi! Je veux! Je peux faire semblant de jouer le lapin? Mais bien sûr! Je veux être le grand méchant lion! Bien sûr que tu peux! Ok, c'est parti! Un fort et puissant lion dormait dans les bois. Un lapin est arrivé du voisinage. Elle a par accident frôlé les orteils du lion. Oups! Désolée, monsieur lion! Dit-elle, puis elle se figea. C'était juste un accident. Le lion abat sa patte sur la queue du lapin. Oh, je t'ai attrapé. Maintenant, tu es dans ma cage. Oh, je vous en prie, monsieur lion. Épargnez-moi cette fois-ci. Et je promets de vous rendre l'appareil pour votre gentillesse. Je le ferai, tu le sais. C'est plutôt drôle. Un petit lapin qui m'aime. Je peux peut-être te laisser partir, mais juste pour cette fois-ci. Tu n'es qu'un petit lapin avec un petit esprit. Oh merci, monsieur lion. Tu vois le sourire sur mon visage. Chaque acte de gentillesse rend le monde meilleur. Tu vois, c'est déjà le cas. Et avec ça, le grand puissant lion a laissé partir le petit lapin. Ah, c'est gentil de la part du lion. Ah, ouais, mais tu ne croiras jamais ce qu'il s'est passé ensuite. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, racontez la suite. Oui. Un jour, un chasseur capture le lion dans un filet. Et soudain, le lion s'est mis à transpirer. Il rugit si fort que le lapin l'entendit. C'est mon ami le lion. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh. Le pauvre. Le petit lapin a vu le lion dans le filet et il a fait un trou. Et c'est tout détendu. Le trou s'est agrandi et le lion s'en est sorti. Il le regarda choqué et dit: qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh, mais c'est à ça que servent les amis. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est bien d'aider un ami. Je tiens toujours mes promesses. Jusqu'à la fin. Je vous avais dit, monsieur lion, que je vous aiderai. La gentillesse est un cadeau qui vous libère toujours. Vous êtes libre. Le lion ronronne et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Comme les meilleurs amis? Oui, vraiment, vraiment. Eh bien, n'est-ce pas un modèle parfait du pont de Londres? Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ouais, presque, sauf si je l'abîme. Oh! Oups! Oh! Charlie! Je faisais juste l'idiot. Le pont de Londres s'écroule, il s'écroule, il s'écroule. Le pont de Londres s'écroule, ma belle.
J'ai bien peur que nous devons remettre ce pont en place. Oui. Yep. OK. Allez, les enfants, construisons-le avec des pierres. Avec des pierres, avec des pierres. Construisons-le avec des pierres. Ma belle dame. Allô? Je ne pense pas que cela fonctionne très bien. Oups! Les pierres pourraient toutes tomber. Toutes tomber, toutes tomber. Les pierres pourraient toutes tomber. Ma belle dame. On pourrait essayer de le reconstruire avec des bananes. Bananes? Bananes? Oui, et ensuite on pourrait manger le pot. Charlie! Regarde, hey, bon travail, Toby! Construisons-le avec des blocs, avec des blocs, avec des blocs. Construisons-le avec des blocs, ma belle dame. Hey, qui appelez-vous une dame? Je suis juste un petit lapin. Oh bien, ça a marché, regardez ça. Oh! Fais le scintiller avec des brillants, des brillants, des brillants. Fais le scintiller avec des brillants, ma belle dame. Oh! Oh! Wow. Oh là là! Ouais, mais il n'y a qu'un seul problème. Hein? Les brillants peuvent s'envoler. S'envoler, s'envoler. Les brillants peuvent s'envoler, ma belle dame. Hey, Passion surveille toute la nuit. Toute la nuit, toute la nuit. Passion surveille toute la nuit, ma belle dame. Ok, tu peux m'appeler madame si tu le veux vraiment. Mais est-ce que je dois vraiment rester debout toute la nuit pour regarder ce pont? Toute la nuit? Ouais. Pour toujours et à jamais. Oh, j'ai envie de dormir. Bonne nuit, Lily. Bonne nuit, Lily. Bonne nuit, Lily. Joli pont. C'est moi qui l'a construit. Musique.